Et yo tout le monde, c'est Tchob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Guild 2, dans lequel nous incarnons le baron Tchob, uni au maire, dans la ville de Bergen. Qu'est-ce qu'on... je sais plus... Ah oui, il y a eu les élections, machin... Et tiens, il est pas parti... Bah, pêcher du saumon, toi, je sais pas. Je me dépêche. Voilà. Ah non, bah mince, oui, ok, non. Il y en avait déjà un qui était parti en pêcher, hop. Allez, un du saumon et l'autre du hareng. Pas de jaloux. Alors. Ils vendent des pierres précieuses comme ça. N'importe quoi. Je suis même pas sûr que ça se vende. Ah oui. J'avais prévu d'essayer de choper... les gens de cette dynastie là. Comment ils s'appellent, l'unité importante neutre? C'est eux? Des crumes, crumes, crumes. Oh. Lui, par exemple, qui se balade aux alentours de Hambourg. Bah, à Hambourg. Pour aller donner un gâteau. Faudrait que je garde un œil sur lui et que je le chope et hop, zouk. D'accord. Aller donner un gâteau à la muraille. Accuser quelqu'un. Oh, oh, j'ai... Oh là. Oh là, qui veux-tu accuser, toi? Le bannissement prend fin. D'ailleurs, et si j'allais pas bannir, et pourquoi j'irais pas, je veux dire plutôt bannir. S'il n'y a que ça, il y a des matières premières à vendre à un bon prix dans un comptoir. Justement, l'autre famille, la femme. Vu que le gars, là, il est en dehors de la ville, et si je me trompe pas, ouais, j'ai foutu quelques-uns. Quelques perrons dans le coin. Je veux piller. Oui, je veux piller. Hop, tout le monde ici. C'est parce que l'autre, si je la bannis, je pourrais l'attaquer. Non, les gardes attaqueront s'ils rentrent dans la ville. J'aurais juste à la fouic. Pratique. Rendez-vous à la mairie. Pourquoi donc? Quelqu'un veut prendre ma place? Non, même pas. Erlandson. Tiens donc. Ah bah attends, mais il y en a deux là. Bah non. Je refuse. Je refuse. Où es-tu? Ah. Vous voyez ce que je vois? Quoi de... Rien de tel qu'une bonne bière. Alors. Voilà, on va aller choper un coup. Maître de la ville de Bergen. Et ouais, ouais, y a, et comme on dit, hein, y a toujours personne qui a mis, toujours personne qui va vérifier si sur ce chemin y a pas de dangereux bandits, quoi. C'est quand même dommage. La route n'est pas sûre. En plus, on doit traverser la mer, de dangereux pirates pour y être. Des pirates maritimes à pied. C'est pas mal comme. Ah, ça va peut-être finir comme ça. Hein. Peut-être finir en pirate maritime à pied. Hein. Là, il est là. Est-ce qu'il aura le temps de traverser? Non, non. Ouais, pirate maritime à pied.
C'est quand même dommage. Salut! Diplomatie, crum, mais passe avec l'état de querelle. Oh, bah sniff. Oh, il se fait victimiser. Toi, t'es sorti, fallait pas. Hop là, on va vérifier. On va escorter. On va surtout le terminer, lui. Dynastie, unité importante. Deux. Ah non, ils sont passés en ennemi. Il va falloir sortir de chez toi, hein. Bon, j'ai retenu la leçon, en tout cas, je me balade avec... avec quelques brutes. Au cas où, on sait jamais. On n'est pas tranquille sur cette route, hein. Bonjour, bonjour. Il est pas noyé, hein. Hop là. Vous venez de commettre un meurtre. Oh, moi. Oh, c'est dommage quand même. C'est vraiment... c'est vraiment dangereux par ici. Vous avez gagné d'expérience ou pas? Un peu. Ouais. C'est quand même vraiment dangereux. Comment il marche le fumoir? Ouah! Il est dur en free là. Faire quelques charrettes. Un petit peu de poisson, de hareng, on a tout à vendre là. J'aimerais bien la tirer l'autre là. On va les patrouiller, on va les laisser patrouiller. Attends, elle est où leur piole? Sa piole est là-bas. On va les laisser patrouiller là près de la maison communale ou... ouais, non, là. Histoire qu'ils viennent pas trop nous déranger. Rendez-vous à la mairie. Très bien, très bien. Il n'est pas postulé, lui. Erlandson, 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 Kellestone. Kelson. Faudrait que je fasse gaffe quand même à garder mon poste. Oui. Sur un coup de malchance, hein. Alors, on va aller là. Brut. Là, il y a du monde là. Allez à l'église. Oh, il a racheté l'église. Oh non. Je voulais le faire. C'est pas grave. Ça aussi, il faudrait le casser. Là. Elle est vraiment pas bien placée. Bah, ils sont où, mais... ah. J'ai cru qu'ils avaient disparu. Hop. On va aller là. On va... oh, prendre quelqu'un en filature. On va prendre rapidement 2-3 choses. Une filature au site ou... non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de faire un enlèvement. Bon, déjà.
On va saboter, on va faire incendier la maison. Voilà. Lui se barre. Oh là là, quel dommage, la maison est en feu. Ouf. Audi, elle a pris un deuxième coup, hein. Bah attends, mais il est passé où? Elle est passée où? Ah. 1, 2. Il manquerait pas un là. Quel est le problème? Si vous le dites... On va en profiter pour aller attaquer. Mais pas de problème. D'accord. D'accord. Ah, elle va se rapprocher des gardes. Très bien les gardes, je veux que vous alliez là. Allez patrouiller à la chapelle les gardes. Puis-je aider ? Je peux juste annuler là. Si vous le dites. Ouais, d'accord, les gardes qui sont totalement buggés. Hein. Non. Bon, allez, la géole. C'est pour ça de prix. Voyons voir où est-ce qu'il est parti, l'autre. Ça y est, retourné là. Oh bah tiens, il y a la teinture qui prend feu, c'était pas prévu ça. On va y arriver ou... Pourquoi ça veut pas? Si vous le dites. Oh! Si vous le dites. Mais c'est quoi votre problème là? Attaquez là, je sais pas. D'accord. Il laisse passer. Je sais pas pourquoi ils veulent pas. Je vous demande pas la mer à boire. Je vous demande juste de vous débarrasser d'une personne, somme toute, dérangeante.
Voilà. C'est pas bien compliqué. Elle se bat doublement. Elle était doublement au combat. Hein. Et bah, oh la lupus là. Subit un deuil cruel. Oh bah. Je vais mettre fin à ton deuil. Bien évidemment, on va l'achever. Devant mon gosse. Vous venez de commettre un meurtre. Et je me fais attaquer pile au même moment. Vous venez de commettre un meurtre, ok. Une dynastie vient de disparaître. Et une dynastie vient de disparaître. Très très bien. Alors, je vais juste voir comment que ça se passe. Voilà, j'ai réussi à défendre ma charrette. Couillon que tu es. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Ça, j'achète. Ça, j'achète. Ça, j'achète. Ça, je peux pas acheter. Et oh bah oui, j'ai oublié le plus important, ça, j'achète. J'allais oublier le plus important quand même, quelle histoire. Oh là là. Attends, bon, vent de charrette. Et, charrette à bras là, pas fou. Gérer le bâtiment, il y a 24 heures. Je vais faire la vente en ville à 50%. Ils suffiront, tout le monde, normal, garder en bon état, amélioration. Ok, et ça produira tout. Voilà. Genre un nouvel bâtiment, voilà. Embaucher des maîtres, je sais pas si on peut, non. Embaucher des compagnons. Une chose de faite et qu'elle est bonne, n'est-il pas? Voilà. Ouais, j'en ai staminé. Oui, bon. Ouais. Non, c'est pas le mien celui-là. C'est pas le. Ah, j'ai pas pu l'acheter. C'est une forge d'armes. Ah. On va la changer. On va la raser. Parce que j'en ai déjà une. Là, gérer le bâtiment en IA automatique. Voilà, vous connaissez. En ville, 50% des maîtres, il devrait m'aimer, max, regardez en bon état, hop là, et bien évidemment, ça on n'en veut pas, ah, ouais, elle est encore un peu basse, et on avait dit artisan, forgeron. Et là, on aura de la place normalement une fois que les débris se seront. Auront été ramassés. Ça. Je le rase, on n'en a pas besoin. Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs. Ça faudrait le raser aussi un jour. Ah, d'accord, ça fait ça quand il y a un bâtiment qui a été. Ah, bah non, pas du tout. Tiens, toi, va travailler, j'allais dire atelier de tournage, mais pas du tout, quoi. Je sais pas. Fais ta vie, toi, tu sais quoi, va à la maison, va apprendre un truc, j'en sais rien, fais ta vie. Amélioration de bâtiment, non, c'est pas là, oui. Ah, je n'ai pas les droits nécessaires. La nuit va bientôt tomber, bah dis donc, ça a pas beaucoup miné, là. Alors, à moins qu'on aille sur le chemin. Même pas, ouf. Ouais, d'accord, tout a été mis ici. Très bien. Toi, une fois ici, entraîne-toi, tu sais quoi. Ça te fera les pattes. Forgeron. Voilà. Non, pour faire autre chose, on a boutique de charpentier, non? C'est quoi ça? Charpentier, on a rien pour tisser de la laine ou un truc comme ça, là? Faire des fringues?
Non. On n'a rien pour faire des fringues, donc je vais faire un atelier de tissage. Ouais, je le mettrai là. La tuerie, j'aimerais bien la cramer, celle-là. Sinon, il me faut. Ah, une... Ouais, donc le reste. Pas très important. Briqueterie, je n'ai pas non plus une briqueterie, hein. Et c'est bizarre ça. Ah, c'est parce qu'elle est en amélioration. Okay. Genre, la boutique de charpentier, là, regarde, elle est en plein milieu, là. Hop, allez, elle va finir rasée. Là. Rien à foutre. Atelier de tissage. Bon, là, j'ai vraiment pas le choix que de le mettre là. Là, je vais voir si je peux gagner un peu de place parce que. Terrible. Estaminet, bailleur de fonds. Pareil, ça, je rachèterai. Et là, regardez, je vois que j'ai de l'argent. 100 000. Patrimoine 740 000. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ici, ça fait dans l'originalité, hein. La demeure de guilde qui prend beaucoup de place. C'est vrai que quand ça va avoir grandi, ça prendra vraiment beaucoup de place. Au niveau des mineurs ici, c'est bien, on a ce qu'il faut. M'en fous, m'en fous, et je m'en fous. Une petite briqueterie. Là, peut-être que je pourrais la coller comme ça, je sais pas. Et là, en cassant ces deux trucs, on pourra peut-être se rapprocher. Il y a vraiment peu de place ici. Hein. Ouais. C'est vraiment le côté négatif de Bergen. C'est le manque de place. Vraiment important pour le coup. Donc, gérer le bâtiment. Hop, il y a 16 h. Ici, en ville, tout le monde est le bienvenu. Je veux des maîtres, maximum, en bon état, amélioration. Hop, ça c'est fait. Et le reste, ça se fera tout seul. Ok, là c'est bon. Je sais plus ce que j'ai construit au-dessus. Briqueterie, atelier de tissage, boutique de charpente. Ah, j'ai pas le choix que de la mettre là. Hein. Me dire, il n'y a pas la place ici, là? J'aurais essayé. Par contre, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Atelier de tissage. Si c'est ma briqueterie. Allez, on va y arriver. Atelier de tournage. Hein, c'est pas... On peut perdre un peu d'argent, un peu de trucs. C'est pas... Et niveau 5, en plus, les bâtiments vont être améliorés. Les bâtiments vont se faire améliorer. Oui, bah on refait... Voilà. IA. Hop, tac. En ville. 50. Bon, plus rien. Non, des apprentis suffiront. Tout le monde est bienvenu. Maximum. Garder en bon état. Améliorer. Tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Non, manuel. Première charrette qui s'est pareil là. Reviens! Reviens, je veux te démolir. C'est vrai, tu te fais attaquer.
Bah écoute. Maintenant que j'ai réglé mon problème dans ma ville, on va faire venir nos brutes. Ah, y en a une qui est pas chère par contre. Ouais, toi, va consulter un médicus avant. Bon, bah alors toi, t'as de l'espoir, hein. Tout seul, faire cramer ma tour d'infanterie. Hop, merci d'être passé, hein. Ah, ça y est, t'as fini de la prendre, toi? Bah, tu y retournes. Oh, bien joué, Toto! Baccalauréat. Pour l'époque, chapeau, hein. Franchement. Et quel âge ça te fait, toi, mon gamin? Quel âge ça te fait, au fait? 13 ans. Attends, il a mon numéro de combien? Ouais, c'est pas mal, alors. C'est pas mal. Ça, c'est bientôt fini de construire. Ouh, ça a coûté cher, là, les améliorations, les salaires et tout, là. J'avais 100 000. Heureusement que j'avais un petit peu de côté. Un bâtiment vient d'être aménagé. Une pâtisserie. Je l'ai fait où? J'ai une pâtisserie? Ah ouais, c'est ça? Elle était en travaux? Ah ouais? Fais gaffe. La cour revient sur sa décision. J'aimerais savoir combien il y a d'habitants aussi dans cette ville là. D'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Aïe, tu t'es pété la jambe. Ils l'ont réparé, mais qui c'est qui l'a réparé? Elle appartient à personne. Non, il est venu la réparer. Un nouveau bâtiment vient d'être construit. Hop. Alors avant que... Voilà. Gérer le bâtiment. Tac, manuel en ville. Parti suffirant, tout le monde est bienvenu. Max, on est à... Hop, voilà. Je vais vous dire, les gars, que Bergen va devenir une grande ville. Oh, j'ai plus de thunes. Allez. Bon, pas de suite, mais elle va devenir une grande ville. Au moins. On viendra pas trop m'embêter. Des Kelston. Il m'embête un peu, cela. Je vais voir, c'est mère, reine, mère. Ah, voilà! Maître de la guilde des producteurs. Maître de la guilde des artisans. Bah, il est passé où l'ancien maître? Des producteurs et des artisans, je veux dire. C'est quand même ballot, ça. Hein. Bon, et là, ça produit depuis un moment. Qu'est-ce que ça fait? Des outils? Vous voulez pas faire des choses un peu plus contondantes? Bon, moi, je dis ça, hein. Non, ça c'est manuel par contre, faut pas déconner.
Alors, il est en train d'apprendre encore et toujours. C'est bien, continue. Oh, de la rhétorique. Allez, encore un niveau et j'ai rhétorique au max. Ça, c'est bien ça. Dévotion moyenne, bah oui. Ça, faudrait les raser, mais... Plus facile à dire qu'à faire. Je sais pas s'il y a moyen de placer des trucs là dans le coin. Non. Hein. Je suis à la recherche de la moindre place là. Oh. Ah ouais? Ouais. C'est que pour les petits bâtiments. Est-ce que ça me l'aurait permis sur un des bâtiments là? Parce que si oui, je modifie, hein. Briqueterie, non, ça passera pas, c'est trop gros. Le fourneau, ça passe. Le pâtissier, là, ça passe. Si je retire le pâtissier et que je le fous là, est-ce que je pourrais pas reconstruire un autre truc ici? Ouais, mais là, ça m'a l'air assez. Bon. Ça a l'air de manquer de place. Rigueur, je peux faire un entrepôt. Oh, l'entrepôt. Non, mais l'entrepôt, je peux vraiment le mettre là. Non, mais. Bon, tu sais quoi, on va mettre un entrepôt ici. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors. Je peux vraiment. Non, mais il entre dans le bâtiment à côté, l'entrepôt, ça pose pas de problème. Comptoir achète certaines marchandises. Va mettre un entrepôt ici. Trente documents de thèse. Eh ben, mon Dieu. Allez, toi, va dans la maison commune. Et on va faire des patrouilles maintenant. On va pouvoir patrouiller dans la ville. Maintenant que tout m'appartient, bien évidemment. Voilà. Faites votre patrouille, les mecs. Ah, ils sont badass hein, quand même, arts martiaux et tout là. Ouais, il faut 130 habitants, mais... Voyons voir, voyons voir. 129, 126 000 de trésorerie. Allez, pas de taxes. La taxe sur les ventes vient d'être modifiée. Voilà. On va faire plus de bénéfices. Les grands travaux là. Ça pousse bien quand même dans le coin. Bon. Ok, c'est parti vendre. Je vais avoir besoin d'un petit peu d'or. D'argent, enfin de... Voilà. De pièces d'or, comme on dit. Oh, je vais pas détourner des fonds quand même. Que...
Elle a postulé à deux trucs. C'est pas possible. C'est le même, hein. Béni soit ceux qui acceptent. Merde. Philou de 21 ans. Ah non, d'accord, ils ont le même nom. Oh, mais ils mentent du couillon. C'est quoi, toi, dégage. Oh là là, elle s'est barrée où ? Ça va. Bâtiment vient d'être aménagé, la boutique de tailleur, très bien. Un nouveau bâtiment vient d'être construit. Je vais lui dire d'aller dehors. Ciao ciao. Hop, et ça lui retire le fait qu'elle se présente en plus, c'est magnifique. Ça, ça a été construit. Alors si j'achète un navire, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va. Pas de suite, mais... En vrai, je me demande où il va arriver le truc. Ah si, allez, hein, juste pour voir. Ok... Ah, au port de la ville dans lequel il est. D'accord. Hop, on va stocker au max. Impeccable. Ouais. Là, il y a de quoi faire. Trois charrettes seulement? Oh, je suis un peu déçu. Je trouve ça peu, trois charrettes. Un bel entrepôt quand même. Demeure de guilde, je sais pas comment ça va se passer. Mais on va avoir du mal à grandir. Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs, et vite! Oh oui, tiens, c'est une idée. Je vais aller extorquer quelqu'un. Et toutes les preuves que j'ai contre elle, là, n'a pas le temps. Bah, avec lui, alors. J'ai aucune idée de la preuve que j'ai... contre ce pauvre gars. Hein. Ah, quand même. Ouais, bon, c'est une belle preuve. C'est quand même une belle preuve, quoi. Trois cheminées vendues. Ça rigole pas là-dedans. Ouais, bah je vois aucun... Ah, c'est une cheminée, ça. Non, non, c'est pas une cheminée, hein. C'est bien, il y a trois cheminées et j'en vois aucune en activité, quand même. Ah si, une là. Ah non, il n'y a pas de cheminée. Bon. Il y a des toits quoi, il y a des toits mais... On va rien dire. On n'a rien vu. Comme dirait l'autre. Allez, on va le suivre lui. Et on va voir combien il va réussir à extorquer. C'est quand même un sacré salaud. Hein. Il a à son actif, je crois, 4 meurtres. Alors, c'est un sacré salaud, mais il fait le boulot proprement. J'explique. Il a, je crois, à son actif 4 meurtres. Mais dans les 4 meurtres, il a réussi à éliminer 2 dynasties. Donc... Tu vois, il va pas toucher les enfants, les machins.
Alors, c'est bizarre dit comme ça. Mais il va pas aller tuer des enfants ou des trucs comme ça. C'est toujours bizarre dit comme ça. Il va pas aller s'en prendre aux enfants, voilà, des dirigeants de dynastie. Là où beaucoup pourraient le faire. Non, 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 non. Il s'en prend que aux dirigeants de dynastie. Ça, c'est bien. Oh, ça vend de la... Oh, ça fait de la massue, là. Okay, ouais, bon, ça se balade, ça, c'est bizarre, mais quoi. Mais... Allez, va vendre ça, toi. Ok, des croix protectrices, pourquoi pas. J'aimerais voir l'état de l'entrepôt au bout de, je sais pas, peut-être 1 ou 2 heures de jeu. Voir à quel point ils ont foutu du bordel là-dedans. Ça pourrait être très, très drôle. Non, sérieusement, qui a foutu des massues là-dedans? Allez les vendre, moi. Ah! Oh zut. Ça n'a pas marché parce qu'il est en train de se foutre de la gueule de quelqu'un qui est devant un pamplet. Là j'ai cru qu'il est arrivé mais non, non, non. Il est à Londres le mec ou... Ah oui. En effet, il est à Londres. Consciencieusement dans mon commerce. Je suis là. Pourquoi tu t'arrêtes comme ça, toi? D'accord. Alors, allez, allez, faisons quelque chose. Je pense que vous allez apprécier. Nous allons construire je peux mettre une maison de campagne, les gars. On construit la maison de Cambrousse. Ah bah oui, bon, on s'est débarrassé d'un petit peu de bois qui traîne là, quoi, mais. Plan de liste des roches. Imaginez les métiers pour lesquels il faut qu'ils partent de tout là-bas et qu'ils aillent chercher des plans de liste des roches. C'est tellement loin, c'est même pas rentable. Ça, c'est. Même là, il y a un truc. Non, mais c'est quoi ici? Attends, me dis pas qu'il y a un truc dans le coin. Me dis pas qu'il y a un truc récoltable ici dans le coin. Parce que là. Il y a du pain quoi, ouais, même là c'est super long. Hein. Ouais. Pas l'air d'avoir autre chose, heureusement. Heureusement. Alors, où en es-tu? Ah, tu arrives à Londres, très bien. Il va jusque là pour extorquer. Et salut! Je sais que t'as attaqué du monde. Je lui fais ça et ciao! Vous faites chanter quelqu'un. Par contre, l'expérience que ça m'a donné, vous avez vu ou quoi? 600, un truc comme ça? Bah, c'est de la rhétorique, hein. Acheter une chaîne d'échevin ou alors je suis obligé de passer par Ah yes. Un bâtiment vient d'être aménagé. Hein? Un bâtiment vient d'être aménagé. Achète-moi donc cette chaîne. Ah oui, il va retourner
Il va retourner chez lui pour aller acheter la chaîne, il peut pas l'acheter sur place quoi. Ah là là. En tout cas j'ai vu que mes bâtiments se sont améliorés. Hop. Très bien. Non ça je peux pas ça. Hop. Attends quoi, orfèvre? Je fais des dagues, des épées en étant orfèvre. Ok. Pourquoi pas? Faut pas chercher à comprendre parfois. Non, faut pas. Ça se vend comment là? Ils font du fer à gogo. L'argent est pas trop cher, l'or est cher. 291, l'or est cher. C'est bien. Et bon bah aussi hein, la maison de campagne. Qui, oh, elle est pas si lente que ça, je pensais que ce serait plus long. Par rapport au temps... Autant passer. Hop, je vais rater. Est-ce que je peux l'améliorer? Non. C'est 80 000 ça. Si vous souhaitez obtenir un gros titre, hein, mettez votre argent sur la table et je verrai hein ce que je peux faire pour vous. Non, 150 000. Quoi maintenant? 150 000 pour un titre, la vache, c'est plus cher qu'un palace. Attendez. C'est deux palaces. C'est une maison de campagne. C'est la maison de campagne de niveau 2. Oh. Oh le prix du bordel toi. Là 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 là. Lui il prend tout son temps. Hein. Assez doucement le matin et vraiment pas trop vite le soir. Bon. On vous les mecs, on va se débarrasser de vous une bonne fois pour toutes, hein, faut pas déconner. La raclure. La racaille, moi, je la casse en deux. Hein. Ouf. J'ai mon unité là, elle prend cher. Oh, vous êtes sûr que vous voulez aider vos copains, vous? J'ai perdu une unité, dommage. Écoute, on va la changer, hein. Voilà. On va essayer de prendre ce bâtiment. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Voilà, bah j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous propose de vous retrouver comme d'habitude tout bientôt. Comme d'habitude, je ne sais pas quand, mais tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, c'était Tiob.